Bah oui. Je suis qu'à 3 heures, moi. C'est pas grave. Ah oui, t'avais fait du PUBG avec... Avec ta main. Ouais. C'est vrai. J'ai vu ça, je t'ai occupé. HMGR, le code room. Alors n'hésitez pas à rejoindre HMGR. Je reprends mon perso. Je laisse le dauphin au propriétaire. Et re YouTube. Vous avez pensé de couper, on va recommencer du début. Salut YouTube. C'est comme ça qu'on dit. Allez Kira. On a Farfa déjà. Ah, Kira rejoint, il choisit son emote. Et n'oubliez pas de vous de place. Donc voilà, vu que ça avait coupé, je sais plus jusqu'où j'étais dans l'explication, mais en gros, une personne choisit un pourcentage pour la réponse à un sondage, et il faut essayer de deviner si c'est plus ou si c'est moins. C'est un peu comme attention à la marche. Et on gagne un cadeau à la fin? La joie de gagner. Ok. C'est un peu pourri comme cadeau. Et Kiro rejoint, il reste encore une place. A reminder to all agents, we have a camera on the coffee pot, so we know when you take the last cup and don't be. Est-ce que Romain veut jouer? This is your final warning. Bah oui, Romain. Ils sont fous, ces Romains. Allez. Partout à 10. Je lance. Pas trop loin. Mais bon, je suis sur mon radeau. Ah oui. Ça se passe bien. Allez, on va espérer passer au moins la première question. Hein? Tu joues toujours toi? Pas fini encore. Most guidance counselors don't tell you how exciting being in a government agency that spies on people can be. So we decided to make a game to show you how much fun we have watching your every move. We call it Espionage. Guess what? We're now collecting live data from the audience. We'll be asking questions specifically about them if we collect enough data. Otherwise, we'll ah, ça a buffé, ce contrôle. Now let's administer some fun. Non, j'ai eu un buffering. Je me suis inquiété. Let's start with you. Whoa, who or what is typing that? C'est moi qui commence. Ça va parler des Ouija, des planches Ouija. Quel pourcentage de gens ont été effrayés, je sais pas, des pick creepy, ont été vraiment effrayés par les Ouija boards ou un truc comme ça? Ouais, effrayés profondément. Vraiment une expérience effrayante. Et re-signe. Tiens, si tu veux rentrer dans l'autre. Merde. Pardon, c'est pas ça que je voulais envoyer. Si tu veux rentrer dans l'audience, je te passe le bon lien tout de suite. Allez, je pars sur un 25%. Est-ce que pour vous, c'est plus ou c'est moins? N'hésitez pas à rejoindre l'audience. Après aussi, combien ont déjà manipulé une planche Ouija? Ça, j'aurais dû prendre ce facteur en compte. Pas forcément des gens qui ont joué. Pas en Orsalem. Non, je ne connais pas Chitotox. Ah, on a le droit à plus, beaucoup plus, moins ou beaucoup moins. Ah oui, il y a des tranches. Bah, Tupac dit beaucoup plus. Tu aurais mal à plutôt moins. Les autres plus. Ouais. Ah, il y a un peu plus. Chat. J'étais pas loin. Ah là là. Vu que j'ai 5% d'écart, j'ai pas mal de points. D'accord. Plus t'es proche de la réponse, plus t'as de points. Et après, selon vos réponses. 1000 points pour les plus et les beaucoup plus moins, j'imagine. Double downs only count if the answer is off by 15% or more. Eh ben non, que dalle. Plus aurait été juste. Si c'était beaucoup plus, je pense que plus aurait été juste, mais. Et beaucoup plus, encore plus juste. Mais si beaucoup plus, alors que c'est juste un peu plus. Je pense, hein. Et c'est Kero. On va parler de sneezing, je sais pas ce que c'est. Renifler. Ah. What percentage of people never stifle their sneezes in public by attempting to sneeze quietly with their mouth shut, but always just sneeze out loud? Voilà. Oui. Je te laisse. Alors, quel pourcentage de personnes ne... N'ont jamais... N'éternuent pas en public, en fait. Ils essayent plutôt d'éternuer doucement, avec la mouche fermée et... D'accord. Et discrètement, en fait. I hear you. Mais qui finit forcément par faire beaucoup de bruit.
genre. Tu mets juste le doigt pour te pincer le nez au même moment. Ah, et qui du coup font vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'était bien plus. Bien joué à ceux qui ont mis bien plus, donc Tupac, c'est malin. Multiple points pour vous, je pense. Kiro était un peu plus loin que moi tout à l'heure, donc 750 points seulement. Ah oui, moi j'étais à 5%, c'était goldé quoi. 1000 points pour ceux qui ont dit plus, et ceux qui ont dit beaucoup plus, j'imagine encore plus, sur Canal+. Ah non, pas de points. Ah si, 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 non, je voyais que c'était orange, mais si en fait. Ah bah oui. Plus oui, bah, vous avez le double de points. Sinon, c'était pas logique. Et Mala, une question sur. On ne sait pas. Les jus. Hein? Fins, jus? Les jus de nettoyage? Comment ça? Toxine expulsion. Ah oui, les jus verts. Les pourcentages de gens sont partis sur quoi? Ont déjà utilisé des jus nettoyants qui. Ah, des genre des antioxydants, genre. Genre la cranberry aussi, genre détox, quoi. Ouais, voilà. Allez. Je veux dire un peu détox, plus. C'est ça. N'hésitez pas à rejoindre l'audience. Pour nettoyer le fion. Ah oui, comme les asperges. Je dis détox, rejoins l'audience, je t'en prie. Kiro et Tupac disent moins. Je vais décacher ma fenêtre de réponse, parce que là on s'en fiche un petit peu. Every single one of them talked about it non-stop. Écoute, ça rend pas beaucoup de points, oh, je pense. Oh, t'es dégueulasse. 250. J'ai dit Totox qui me dit « Le jus de Totox, ça n'oxyde pas, ça fait faire des petites filles trop mignonnes. » Farfadet. Nous allons parler question pour de Farfa. Turtlenecks. Des coups de tortue. Ouais. What percentage of people consider themselves turtleneck people? Ah, les gens qui ont des coups de tortue. C'est ce qu'il veut dire. Bah, un peu comme le chanteur, là. Qu'on appelait la tortue. Combien de personnes se considèrent comme ayant un coup de tortue? C'est un coup tout fin et assez allongé. Ah, des coups. Pas des oui couples. Ah oui. Non, des coups. Enfin, je me suis mis en tête que c'était des couples. Il est bizarre, ce garçon. Je pense pas qu'on puisse répondre high lower vu qu'il n'y a pas de segment encore. Je pense que c'est le mauvais plan. On va dire moins. Hein. Ah, moi j'aurais dit un coup long, pas de coup. En fait. Ah. Tout le monde dit moins. Et c'était moins. 2200 points quand même. 8% d'écart. Tout le monde avait bon et ça fait 1000 points. Et je suis même placé. Moi. En même temps, j'avais fait un bon, une bonne estimation. C'est pour un tour. Ils ont parlé de parachute. Ah, c'est PUBG. C'est la question PUBG. Les chutes libres, tout ça. Combien de personnes d'enfants ont joué avec des parachutes à l'école? En grandissant, ouais. Donc je pense des faux parachutes et pour de faux. Hein. Plutôt sur du 36%, non, et bien moins. Et school growing up, c'est pas carrêmement de la maternelle? Peut-être. Ah, ça hésite sur des petites valeurs. 6%. What do y'all think? Higher or lower? Ah, moi je veux dire beaucoup plus. Moi je suis pas sûr d'avoir compris la question. On va répéter la question. Est-ce que le fait de jouer avec ta veste en l'ayant derrière toi, t'es un parachute, je sais pas, un truc comme ça peut-être. Je suis la seule à avoir répondu moins pour l'instant. En fait, aussi. Ah non, Farfa me rejoint. Oh, beaucoup plus. Ah bah oui. Ah, oh, moult points, 75 pour tous. Ça va pas faire beaucoup de points ça pour un school malheureusement. T'es sûr que c'est parachute, un parachute? Ah, j'aurais dit ça, ouais. Si quelqu'un a mieux compris la question que nous. What the fuck. Ah bah du coup 0 points pour Hard School. Et c'est Tupac qui va répondre à une question sur les taureaux mécaniques. What percentage of people have ridden mechanical bulls? Combien ont déjà chevauché un taureau mécanique? Pensez que c'est des questions anglaises et que ça peut être porté sur un panel américain. Je pense que cette activité est peut-être un peu plus présente là-bas qu'en France. Il visait sa veste comme une cape. Bah oui. Ok, merci pour moi. 17%. Comme une cape. Alright, what do you think? Je sais pas. J'aurais dit plus, mais pas trop. Si c'est basé sur un panel state, ça on sait pas vraiment, à vrai dire, mais on peut se supposer.
Par contre, le beaucoup moins, ça doit jouer sur compris, en fait. C'est ça, parfois. Ah, moi, je pense avoir compris. Moi. Oh oui, je suis bon. Il y en a qu'un qui répond pas pareil. Ah là là. C'est pour 100 différence. 2300 points pour tout le pack. Et points pour ceux qui avaient répondu plus. Next up. Kiragami. I'm going to search. On va parler de des fantômes. What percentage of people believe they have seen ghosts? Croit avoir vu des fantômes. J'aime pas les Américains. Ils votent pour Trump de toute façon. Raciste. Raciste. Kiragami. Si, c'est bon ça. Kira. Ça augmente un petit peu. 62%, 67, 68, 69. 69%. Ok, higher or lower. Je dirais beaucoup moins. Je dirais que les gens sont lucides. Rand School dit plus. Qui redit moins. Tupax beaucoup moins. Et Farfadet moins. Mala moins. Même tout le monde ici. C'était 25%. Et les gens ne sont pas si naïfs. Eh oui. Donc, tout point pour moi et Tupax. Il voit bien pas lucide. Il voit bien des extraterrestres. Je peux remettre le lien pour jouer, s'il te plaît. Encore ? Jackbox.tv. Non, mais c'est pas comme si, en plus, je crois que c'est écrit à l'écran. Peut-être plus maintenant, mais. Pas là maintenant. C'est la dernière ronde. Je peux écouter. Il y a mes Mika qui gueule. Langage ! Quel boys band du passé ou du présent les gens aiment le plus ? You get three guesses. Try to pick the most popular answers to get the most points. Trouve le moins pourri. Good luck. If you're in the audience, how? Ah, il faut trouver le pire ou le mieux en fait finalement. Bon, la pire réponse, d'accord. Il faut en choisir non, trois. Non, pas le pire. C'est le qui trouve le moins pire. D'accord. Dans tout ça. Putain, j'en ai aucune idée. je connais pas tous. Ah si, tiens, il y en a que je connais. Don't forget to use all three. Ah oui. Backstreet Boys. J'ai mis les seuls que je connaissais, je crois, en fait. J'ai pas mis les seuls que je connaissais. Ah, par contre, ça parle de Global Data, donc est-ce que c'est les données mondiales, finalement, ou est-ce que c'est juste pour dire que c'est pas un truc personnalisé, finalement, que tu crées toi-même? C'est parce que c'est des données trouvées sur Internet, en fait, mais... Backstreet Boys, White Action... Ah, les Beatles, j'avais okay, totalement pas vu. Bah ouais. J'avais totalement pas vu cette réponse. Par ordre croissant, avec One Direction 5%. Ah d'accord, personne connaît apparemment. Ah, les Backstreet Boys. NY, machin. Et voilà, on avait les top 3. D'accord, on est loin d'avoir trouvé le top 3. Je suis premier, suivi de très près par Tupax. Troisième Kero. Je suis cinquième. Et GG. Je connais pas ce groupe. New Kids on the Block, c'est pas l'équivalent un peu de ce groupe de gosses qu'on a nous en France, là, comment ça s'appelle? Les Kids United. Ah, je sais pas, je connais pas. Je pose la question à Kero qui a l'air de connaître. Ok. GG Cocor, on dit dans mon chat. Ah, merci Simi. Et pour une fois que je ne suis pas dernier. Merci Kira. C'est ça Farfa. Du coup, c'est assez rapide celui-là. On ne s'implante pas. Est-ce qu'on en refait une du coup? On peut. Allez. On peut. Après, si vous voulez, on pourra tester les miens. Aussi. Enfin, le box 1. Ou les jeux du... Il y a un jeu du box 4 qu'on n'a pas testé. Il me semble. Allez, nouvelle room du coup. Je connais la V5 mais pas la NSC. Un groupe des années 80-90, d'accord. Hey Dimitri, you watch the Americans? Yes, every day. D'accord, Kero. NC, MY. NC, MY. Je reprends le même. Ah, c'est bon. Je style. Ah, ça vole le dauphin. Le chien est sympa aussi. Enfin, d'ailleurs, le robot.
It's a TV show. Nous avons Dark Millie. Droit foule. Non, pas droit foule. On a... J'ai acheté des nouveaux jeux. C'est mi. J'ai acheté une nouvelle box avec des plein de petits jeux comme ça. Step by step. Oh baby. Il reste une place. Kira, Farfa, Dark Millie. Tous mes garçons sont là. Ah, Totox. Comme un aigle. Ou un picard, je ne sais pas. Comme un ouragan, naninanina. Naninanina. Bon, on va lancer. Soudain, du coup. J'ai un aigle noir. A priori, Totox. Ah, bah, t'es déjà dedans. T'as fini de monter tes meubles Ikea. Ah, bah, viens, Kero. Mais viens, Kero, on a de la place. C'est pas une place vide. Mais oui. Oh là là, c'est les gens qui veulent laisser les places vides. Comment va ton coloc au fait, Cocker? Ça va pas. Il est silencieux aujourd'hui. Oui, il n'est pas là. Il est pas là. Ah, il dort. Je crois qu'il est au téléphone. Non, il vient de se lever. Eh bah, go, on est tous là. Au téléphone. Est-ce que Kero a eu le temps de choisir son agent? Je pense dire que t'es tranquille pour 18h. Allez, go. Heures. Ce petit téléphone, il y en a pour 18h. Et demi. Boum. Ça, c'est une... Sure, it's your tax dollars. Let's start another game of... Espionage. Par contre, on peut pas skipper. C'est... Ah bon? Okay, who's first? Ah bah non. Ah bon, c'est bon, ça attaque direct. C'est juste pour la première game, je pense. En fait. Right, surveillance pro. Ah. Et du coup, on commence par Dark Millie. Dark Millie! 15 before the hour, c'est-à-dire le quart d'heure avant. Le quart d'heure avant l'heure. Ah, d'accord. Les expressions sur le temps. Ah, les expressions, donc c'est quand on dit une heure moins quart, une heure. Voilà. Ouais, à la place de 15 minutes avant ou moins 15, combien de personnes. Enfin, ouais. Combien de personnes disent un quart d'heure avant? Au lieu de moins de quart, combien disent moins 15? Au lieu de 3h moins le quart, combien disent 3h moins 15? Il faut que tu... Voilà. Oula. J'en ai aucune idée. Je dirais beaucoup de ricains. Je dirais un peu plus, mais bon, sans être convaincu. Je vais pouvoir rire votre âme. Je l'ai quand même. T'as un Discord pour la chaîne de Cocor si tu veux linker ça sur le Discord de Cocor. Et oui. Il se fera un plaisir d'avoir ça sur son Discord. Et oui, évidemment. Putain, on les règle, c'est bien marqué qu'il faut pas me MP pendant que je suis en direct. Ah, on voit ce que je mets, on a vu mon fil quand je suis monté dans les 90. T'inquiète. Mais c'était beaucoup plus, 400 points pour Dark Millie qui était à 23% de différence. C'est au tour de Mala. Oui. Les cactis, c'est quoi ces petits cactus? Ah oui, des plantes sèches. Et qui tourne, hein? What percentage of people have owned a cactus? Le pourcentage de gens possède un cactus. Ça va partir sur les 63%. Everyone pick, higher or lower. Ils sont inertes, c'est ricain. Je dirais un peu moins. Mais c'est dans ce que j'aurais peut-être répondu, le pourcentage, je pense. C'est pour ça que j'hésite. Enfin, oui. Un peu moins. Ah, il et... Oh, dommage. J'aurais dû dire beaucoup moins. C'était 48%, 16% d'écart. Ah. Ça te fait 750 points. Ah. Je m'en fous, il y en a qui ont mis plus. Beaucoup avaient dit moins. Certains ont dit beaucoup moins, ils vont faire plus de points. Ran School 4000 points, les gens. Kero Bero. Nous allons parler de... d'assassin. De conspiration. What percentage of people think Lee Harvey Oswald did not act alone in the assassination of JFK? Qui a pensé que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul lors de l'assassinat de JFK? Courage. What do y'all think? Higher or lower?
Je dirais beaucoup plus. C'est la plus grosse conspiration au monde, cette histoire. Quand tu vas sur les sites de conspirationnistes, putain, entre ça, le World Trade Center et puis la Terre plate. Disons que. Je suis sortie avec le meilleur ami du mec qui rédige Complot Facile, donc. Mon chéri qui était en Irlande, il faisait de la musique avec le rédacteur de Complot Facile. Ok. Du coup, c'était 50% de plus, du coup, tu n'as pas gagné le point, je crois. Voilà. Ceux qui ont dit beaucoup plus ont été largement récompensés. Ah oui! C'est toi qui a rien mis! Ah bah bravo! Adèle, oh mon dieu! Ah oui, trop bien! J'espère que tu es fan d'Adèle. Le pourcentage de gens ont crié, ont pleuré du moins, alors qu'ils écoutaient du Adèle. J'ai connu un mec bourré qui avait pleuré en écoutant Skyfall. C'était un rancard, je me suis pas aimé, carapaté en courant. Karagami, il n'y a plus le temps, vite, faites 51, 40, 38. 36%. Everyone pick. Ah, je dirais moins quand même, ça me semble beaucoup. Je pense pas que les gens soient si sensibles. Ils sont chelous, tes rancards. Ouais, c'était pas vraiment, vraiment un rancard, c'était un collègue de taf qui m'avait proposé d'aller boire un verre, j'avais dit oui, et j'ai regretté toute ma vie d'avoir accepté d'aller boire un verre. Et c'était... seulement 16%, beaucoup moins. 20% d'écart, ce qui fait 550 points pour Kiragami. GG pour ton level up, c'est fini. Ah non, mais moi c'est une horreur, Kiro. Bienvenue dans mon monde. Ouais, y'a pas tant que ça de bonnes réponses. J'ai pas pu. Et pour Totox, nous allons parler de restaurant de légumes. Non, beverage, non, de soupe, je sais plus. Beverage, non, c'est des boissons. C'est des boissons. Boissons, oui. Quel pourcentage de gens ignorent paille. Les pailles. Ah. Les restrictions du restaurant, ils boivent directement à la paille, c'est ça? Non. Non. Combien de ignorent la paille dans le restaurant et boivent directement dans le verre? Ah oui. 60%. Everyone else, higher or lower? Ah, je dirais plus, c'est pas courant la paille. 6 mâles hétérodominateurs. Ah bah si, dans les McDo tout ça. Ah bah oui. Ah, ça dépend quel type de resto, ouais, franchement, sûrement. De quoi non, merci madame, c'est... Ouais, je tente moins, allez. Moi, je vois la paille au McDo, KFC, tout ça. Oui, mais dans un vrai resto, si on te sert un cocktail, est-ce que t'enlèves la paille pour boire dans le verre? Bah, c'est pas précisé, vrai resto. Ah, j'aurais pu mettre beaucoup moins, j'ai mis juste moins. Ouais, j'ai mis moins aussi. 1000 points. Et 2000 pour Milly. Qui est en tête? On a des 6000 en bas, un cocor farfadet et un autre en bas. Les feux d'artifice pour moi. Ah. Les accidents. Ah bah merci. Bon, qui ont eu, qui se sont blessés avec des accidents de feux d'artifice. C'est ça. Bon, y a pas beaucoup de gens qui manipulent les feux d'artifice déjà de base, je pense. Aux États-Unis? J'ai allumé des grosses catégories de personnes. Aux États-Unis pour le 4 juillet, putain, ils sont tous avec leurs feux d'artifice. Hein. Ah, j'essaye de me. J'essaye de me perturber. Mais non. Mais t'as jamais regardé des trucs comme comment ça s'appelle les vidéos sur YouTube avec des compiles de fails. Non. Avec les gens qui ont des feux d'artifice, quoi. C'est un truc de taré aux États-Unis. Non, des bus. Accident grenade, les gars. Quoi, ça. Et du coup. Oh, 14%, c'est un tout pile. Non. Et oui. Combien de points? GG. Ah, je vais gagner la game, obligé. Sauf si je me foire au final. Personne gagne 2 points, sauf moi. 3000 points pour moi. Allez, bim. Je m'aime. Ah, j'ai eu un succès. Grand school. Il y en a qui se mettent des tiges dans les fesses aussi. Des mais apparemment, ils n'assument pas leurs actes. Oui, les machines, les distributeurs de quelqu'un, combien de personnes, quel pourcentage de gens ont violenté des distributeurs pour essayer de récupérer ce qu'ils ont commandé? De toute façon, la terre est plate. Je
j'en ai fait un trou dans le mur une fois en tapant sur un distributeur. J'ai tellement tapé fort qu'il a basculé derrière, il a fait un trou dans le mur. J'ai jamais dit que c'était moi, bizarrement. Moi j'oserais pas, je crois. J'irai voir le responsable. C'était moi la responsable. Allez, ça marche pas! Je dirais moins, mais je 62% est pas trop mal placé, je pense. Ah, certains disent beaucoup plus. Akiro, il est vénère. Ça dépend où c'est, en fait. S'il est au plein milieu d'une gare, c'est beaucoup plus compliqué plus. S'il est caché quelque part. GG, Akiro. Ah, merde. J'ai eu un doute. 16% d'écart. 750 points. Ça marche, Farfa. Ah, putain, il est déjà 19h. C'est là, Farfa. Attends, moi, la fin de la game. Non, si c'est des enfants, les parents ils appellent pour dire à table. Ah bah Farfadet, c'est à toi. Ça va être 50%. C'est à toi de jouer si tu peux encore. Détecteur de métaux, je sens le 50%. Combien utiliser les détecteurs de métaux sur la plage? J'ai des amis qui ont déjà fait. Enfin, j'ai deux collègues de taf qui font ça. Je connais personne qui utilise des détecteurs de métaux. Bah, je connais deux collègues. Ils font même des concours de détection de métaux. Ça sent 50%. Beaucoup de vieux le font aux USA. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de vieux aux USA? Everyone else, higher or lower? Je dirais beaucoup moins du coup. Alors après c'est déjà utilisé, c'est pas utilisé quotidiennement, donc après s'il y en a beaucoup qui l'ont fait par curiosité, ça peut jouer. Il y a beaucoup de vieux. Ils sont partout. Okay, let's see the right answer. Et c'était seulement 9%. Apparemment, il faut être à 30% pour avoir des points. Si j'ai bien compris. Ah merde. 30% d'écart. Et le round final. The final round. 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 Je sais pas si j'aurai le temps. Ça se défile assez vite. Ah, il y a un clip de Katy Perry, a priori. Ouais, non. Bon, je vais répondre au pif. Oui, j'ai pas le temps. Il va y en avoir partout répartis équitablement. Beaucoup de Dave et de David et de Daniel. Danny. Je sais même plus où j'ai répondu. 2000 points. Ah, je crois que j'ai gagné, j'ai eu un succès. J'ai déjà gagné avant, pourtant bizarre. Qui a gagné? C'est encore moi, avec 16 000 points, 12 000 pour Mala et 9 000 pour Kirigami. Oui, je suis deuxième. C'est GG. Merci, GG Cocor. Mais non, je suis trop fort. Je connais les gens. Je connais bien les Américains. Ok. Où est-ce qu'on se refait un des 5 jeux? Est-ce qu'on passe sur ta boîte? Je veux bien lancer la mienne, si vous voulez. Alors tu lances de ton côté ou on partage pour que je lance chez moi, n'importe? Bah non, je vais lancer de mon côté parce que si on doit partager, faut qu'on se passe nos logs et je ferai pas ça en direct. Ok, pas de soucis. Du coup, n'hésitez pas à aller sur le stream de Mala pour être plus sur le direct.